La presqu'île de Ruiz, une étroite bande de terre entre le golfe du Morbihan et l'océan. 5 communes l'occupent aujourd'hui. Mais au Moyen-Âge, le duc de Bretagne, au château de Suscinio, et les moines bénédictins à Saint-Gildas en partageaient la propriété. Le célèbre Abélard, qui fut aussi abbé de Saint-Gildas, n'avait alors guère apprécié cette contrée. Là, écrivait-il, sur le rivage de l'océan aux voix effrayantes, c'était une terre barbare, une langue inconnue, une population brutale et sauvage. Terre sauvage, sans doute, mais pour la cour ducale, s'exerçait l'attrait de la chasse en cette forêt de Ruiz, aujourd'hui disparu. C'était alors, selon le roi Charles VIII, une forêt et bois de hautes futaies où, dans les parcs cernés et clos de murailles, il y a bêtes à pieds fourchus et autres en grande aise. À l'aube de son histoire, vers 1200, Suscinio est un logis-forteresse sans réel but militaire. Entre la forêt et les salines, il résonne en ce 13e siècle de l'écho des fastes de la cour ducale qui réside alors en permanence. La brèche de Duguesclin rappelle le temps des épreuves au 14e siècle. Guerre de Cent Ans, guerre de succession de Bretagne. En 1373, le chef des armées de Charles V prit le château à une garnison anglaise qu'il passa au fil de l'épée. 20 ans après, c'est en cette terre de Ruiz que Richemont vit le jour. Richemont, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, fils de duc, et lui-même futur et éphémère duc de Bretagne. Le duc de Mercœur, chef de la Ligue catholique en Bretagne, a laissé lui aussi son nom à Suscinio. Les bastions de Mercœur évoquent les troubles de la fin du XVIe siècle. L'époque de Vauban approche, et la décadence. Après un ultime fait d'armes en 1795, le domaine est vendu, par erreur, comme bien national, à un marchand forain, devenu entrepreneur. Pour ce nouveau propriétaire, Suscinio n'est rien d'autre qu'une carrière. Des charretées de pierres sculptées, de marches d'escalier, d'encadrements de fenêtres franchissent la porte de l'ancienne résidence ducale. Un massacre. Enfin, en 1965, le département du Morbihan achète le domaine. Les ruines sont consolidées, restaurées. Suscinio restauré, mais aussi un Suscinio redécouvert. Oui, un Suscinio redécouvert. Nous sommes ici à l'extérieur du château, sur la contrescarpe sud, dans les ruines d'un bâtiment qui, sans les travaux de restauration, n'aurait jamais été découvert. Les engins mécaniques qui ont procédé à l'arasement de ce talus qui gênait la vue du château ont alors révélé l'existence de ce bâtiment jusque-là inconnu. La direction de Bretagne des Antiquités historiques a été alertée et le directeur m'a demandé de procéder au dégagement de ces vestiges. Le résultat, vous le voyez, un pavement remarquable et un décor de sol exceptionnel. La découverte de ce carrelage est une chance extraordinaire pour la connaissance de l'art de la Bretagne. On peut en effet remarquer sa variété, sa beauté, la richesse des compositions. On y trouve à la fois des carrelages faits de petits éléments très petits, comme on en trouve partout au XIIe siècle, mais on trouve aussi des grandes compositions, des lettres, des fleurs de lys, et même des grands panneaux de couleurs, vertes et blanches, avec des animaux. Cela rappelle que les ducs de Bretagne avaient à Suscinio un manoir qu'ils aimaient beaucoup, où ils venaient chasser. Ils ont donné à l'abbaye, à même époque sans doute que ce dernier âge, c'est-à-dire à la fin du XIIIe siècle, des reliquaires à l'abbaye de Saint-Gildas,
Ils ont fait leur sépulture dans toutes les abbayes voisines, et c'est donc une meilleure connaissance de la pénétration par les ducs d'origine de la famille royale de l'art de la Bretagne. Ces carrelages ont des rapports avec ceux que l'on trouve en France, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, en Angleterre. Quelle était la nature du bâtiment qui recouvrait ce pavement? Nous en sommes réduits aux hypothèses, les recherches ne sont pas terminées, mais nous pouvons penser qu'il s'agissait d'un édifice religieux, de 30 mètres de long, à façade et à chevet plat. La nature religieuse de cet édifice se déduit de la présence d'un autel, maître-autel, d'un autel latéral, de sépulture au niveau du carrelage, et surtout de la présence d'un vitrail qui gisait enchevêtré à 10 mètres de la façade, et dont les éléments étaient à ce point pliés et tordus qu'il a fallu près de 10 jours à un de nos camarades pour le redéplier en laboratoire. De quand date ce monument? En gros, nous pensons qu'il s'agit d'un édifice de la période 1250 à 1350. La couche d'occupation, qui est matérialisée par ce pavement et les débris qui le recouvrent, nous a donné des indices chronologiques appartenant à cette période. Notamment, outre le vitrail, trois monnaies, dont une a été émise par l'abbaye de Saint-Martin de Tours et l'autre par le duc de Bretagne, Jean III. Également, des débris céramiques qui, reconstitués, nous ont permis de trouver ces formes, pichets, cruchons, qui sont en usage à l'époque. Comment se fait-il que ce pavement ait été conservé en si bon état jusqu'à notre époque? Lorsque l'édifice a été détruit, la couche d'incendie, ardoise calcinée, a recouvert le pavement, puis les débris de murs, et l'édifice n'a pas été réutilisé. Et au XVIe siècle, lorsque Mercœur a fait construire les bastions dans la Douve, le recul imposé à celle-ci a donné ces déblais qui ont été rejetés sur le site et qui ont donné ce talus. Ainsi, le pavement a été protégé et est arrivé jusqu'à nous en cet état. Il est évident qu'on ne peut laisser détruire un pareil pavement. Mais alors nous heurtons à trois problèmes intimement liés. D'abord un problème d'expertise, un problème de crédit aussi, et finalement un problème de restauration. Le problème de l'expertise a été résolu par un certain nombre de professeurs, comme le professeur Mussa, qui a estimé que c'était là une œuvre assez rare en France. Le problème des crédits a été résolu, lui, grâce à la compréhension du Conseil général du Morbihan. Et quant au problème de la restauration, eh bien, nous avons là M. Bassier, dont la compétence est reconnue. Bon, alors, tenez la main sur le dernier qu'on a posé. Là. Bon, alors maintenant, nous allons poser ces deux-là. Ces deux-là, alors. Avec le bout, c'est celui-là. Au-dessous. Là, ici. Voilà. Hein? Celui-là. Et celui-là. Premier. Premier. Second. Comme ça? Non, on remet comme ça. Non. Oui, ben donne-moi le bien comme il. Toujours dans le sens, hein? Si je tourne la tête, moi, après. Alors, là, maintenant. Bon. Il n'a pas été possible d'appliquer au pavement de Suciniau la technique de dépose des pavements de mosaïque traditionnels, parce que nous avions affaire à un matériau hétérogène. En effet, les pavements de Suciniau sont constitués d'un support en brique et d'une glaçure extrêmement fragile. L'humidité du chantier interdit d'encoller le pavement. Il est donc nécessaire de déposer les pavements élément par élément, ce qui a nécessité de faire un plan de dépose extrêmement soigné, et d'enlever chaque élément du pavement à l'intérieur de caisses que nous avons fabriquées et dont le fond est en plastique et où tous les éléments sont parfaitement repérés. C'est en Dordogne, à Périgueux, que nous retrouvons les éléments de ce pavement au siège de la SOCRA, Société pour la conservation et la restauration archéologique, dont le seul client est l'État. Dans ces ateliers, la remise en état des 50 000 éléments de Suciniau est en cours. Elle ne demandera pas moins de 5 000 heures de travail. Le problème de la conservation des pavements de Suciniau est conditionné par la nature des pavements, la nature de la glaçure et leur dévolution définitive. Ces pavements sont sales. La première opération va consister à les nettoyer. Mais en plus, ils sont imprégnés de sel. Nous allons devoir les dessaler et contrôler l'enlèvement des sels.
Les éléments qui ont déjà été lavés vont être mis dans un nouveau bain dans lequel nous allons les dessaler. Ensuite, la fine pellicule de glaçure superficielle est altérée. Il va donc falloir procéder au durcissement de la brique, du matériau de support, et ensuite il va falloir établir une liaison entre la brique durcie et la glaçure. Alors Monsieur Le Gendre est en train de préparer la résine avec son durcisseur. Je vais prendre avec la seringue.